C'est en 2007 que le Fonds national de promotion de l'entreprise et de l'emploi des jeunes, FNPEJ, a été créé. En 2 ans, il a financé plusieurs projets à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Malgré cet exploit, des problèmes subsistent, lesquels ralentissent le fonctionnement du fonds. Face à cela, une évaluation du dispositif du FNPEJ devient nécessaire. À la suite du Forum national sur l'emploi des jeunes, le FNPEJ avait adopté une approche d'intervention directe d'octroi de crédit aux jeunes et PME. Cette approche a connu un certain engouement, ce qui a permis de financer en 2008 et 2010 environ 1150 projets. Cependant, des difficultés rencontrées au cours de cette période ont amené à commanditer en 2010 une évaluation institutionnelle du FNPEJ. La principale recommandation issue de cette évaluation était de réorienter l'approche d'intervention vers la stratégie du faire-faire. Les conclusions de ces travaux permettront de repositionner le FNPEJ en lien avec la vision du gouvernement du président Patrice Talon, de restructurer le tissu économique de notre pays par la production de la richesse, donc par la croissance économique en vue de résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes. L'atelier est prévu pour durer 2 jours. Au thème de la rencontre, les participants devront proposer des recommandations concrètes aux responsables du FNPEJ.